Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Et Dawani Wamakara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halou Dmoni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Où en sommes-nous avec la lutte contre la corruption au Mali? Les poursuites judiciaires donnent-elles des résultats? Quels sont les rôles du Bureau du vérificateur général, du pôle économique et financier ou encore du Conseil national de la société civile, CNS, dans la lutte contre la corruption au Mali? Comment est reçue cette lutte? Le grand dialogue du studio Tamani pose le débat sur ces questions en partenariat avec Coateur International. Pour en parler, nos invités sont au nombre de 4. Drissa Mamadou Koulibaly du Bureau du vérificateur général, Djakari Diabagayogo du pôle économique et financier, Hamidou Traoré du Conseil national de la société civile n'est pas encore arrivé, on espère l'avoir d'ici la fin de cette émission. Au téléphone, nous avons Dr Modibo Mahoumakalou, économiste. Je suis Mariam Meiga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question sera adressée au bureau du vérificateur général, Drissa Mamadou Koulibaly. C'est quoi la corruption et la délinquance financière? Merci. La corruption et la délinquance financière, c'est le fait pour des individus et généralement des agents publics, puisque nous, nous évoluons dans la sphère de l'administration publique. C'est le fait pour des agents publics de se servir du service public, des procédures et des normes pour s'octroyer des avantages à titre personnel. Monsieur Bagayogo, du pôle économique et financier, où en sommes-nous aujourd'hui avec la lutte contre la corruption au Mali? Bonsoir madame, permettez-moi tout d'abord de dire bonsoir à vos téléspectateurs ainsi qu'à vos auditeurs. Où en sommes-nous avec la lutte contre la corruption? C'est simplement dire que la lutte contre la corruption, on va dire qu'il y a une activité normale des juridictions, des pôles économiques et financiers notamment, est en cours. Et on peut même dire que depuis un certain temps, c'est une lutte qui s'est intensifiée, parce que pour ceux qui évidemment s'en rappellent un peu, depuis 2 années environ, on a quand même assisté, on va dire, à la multiplication, on va dire, des procédures d'une certaine envergure. Donc, c'est-à-dire que c'est une lutte qui continue son petit chemin. Et voilà. Modibo Mahoumakalou, vous participez à cette émission par téléphone. Vous êtes docteur en économie. Selon vous, comment se porte la lutte contre la corruption au Mali? Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Je ne suis pas docteur, je suis MBA en finance internationale. Ah, ok, excusez-moi donc. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est une longue lutte, une lutte de longue haleine que toutes les autorités qui ont eu en charge l'État moderne du Mali depuis l'indépendance en 60, c'est une lutte qui a été entreprise par tous les dirigeants de notre pays. Malheureusement, je pense qu'il y a un problème de suivi au niveau des conclusions des différents forats qui se sont tenus. Et la lutte contre la corruption et la délinquance financière doit faire partie de la redevabilité, c'est-à-dire de la bonne gestion des affaires publiques et de la bonne gouvernance, c'est-à-dire la manière dont on administre et gère un pays. Et c'est une lutte au quotidien. Malheureusement, cela ne se ressent pas tellement dans notre pays. Monsieur Koulibaly du Bureau du vérificateur général, quel est le rôle de chacune de ces structures dans la lutte contre la corruption, le rôle du Bureau du vérificateur? Qu'est-ce que vous apportez? Je vous remercie. Avant d'aborder le rôle, je voudrais brièvement rappeler qu'est-ce que c'est que le Bureau du vérificateur général. Allez-y. C'est en 2003 que les plus hautes autorités du Mali ont décidé de créer le vérificateur général dans le but de mieux lutter contre la corruption et la délinquance financière. Donc le vérificateur général est une autorité administrative indépendante de contrôle externe de l'administration. Et le vérificateur général dispose pour fonctionner d'un bureau dénommé Bureau du vérificateur général.
Alors, le rôle du bureau du vérificateur général dépend d'un certain nombre de facteurs. Dans un premier temps, je voudrais rappeler la nécessaire synergie d'action qui doit exister entre les différentes structures, à savoir le bureau du vérificateur général, le pôle économique et financier et le Conseil national de la société civile. Vous n'êtes pas sans savoir que la lutte contre la corruption est une chaîne. Et chaque acteur, chaque maillon de la chaîne doit jouer sa partition afin que cette lutte puisse être efficace et porter les fruits attendus. C'est la raison pour laquelle nous, Bureau du vérificateur général, nous produisons des rapports de vérification. Et les acteurs de la justice, notamment les pôles économiques et financiers, engage des poursuites sur la base des faits qui sont signalés dans le rapport de vérification et le Conseil national de la société civile ou la société civile de façon générale joue le rôle de veille citoyenne et joue également le rôle de dissémination ou de divulgation du contenu des différents rapports de vérification. Et je voudrais également au passage remercier le projet Co-Water International pour cette occasion qui nous a été offerte ce soir et qui va renforcer également la synergie d'action entre nos différentes structures de contrôle. Également, je voudrais remercier les autres structures qui luttent contre la corruption, parce que le bureau de vérificateur général n'est pas la seule structure qui lutte contre la corruption. Je voudrais également rappeler la section des comptes de la Cour suprême, qui est un organe juridictionnel de contrôle de l'administration. Il y a le contrôle général des services publics qui lutte également contre la corruption. Nous avons l'OCLEI, nous avons les inspections ministérielles qui œuvre également dans le domaine de la lutte contre la corruption. Alors, par rapport au rôle du bureau du vérificateur général dans la lutte contre la corruption, il faut signaler que le vérificateur général apporte sa contribution à la lutte contre la corruption à travers principalement trois types d'actions. Nous avons d'abord des actions à caractère préventif, des actions à caractère coercitif et enfin des actions à caractère dissuasif. Premièrement, en termes de prévention, à l'issue de chaque mission de vérification, les équipes de vérification élaborent des rapports de vérification qui comportent les constatations et les recommandations. Alors, les recommandations servent à apporter des conseils aux structures contrôlées afin de remédier les dysfonctionnements qu'on a constatés dans le dispositif de contrôle interne. Parce que lorsqu'on a un dispositif de contrôle interne défaillant, il va de soi que cette défaillance prête le flanc à la corruption et la délinquance financière. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de chaque rapport de vérification, nous formulons des recommandations adressées aux entités qui vont leur permettre de corriger le dispositif de contrôle interne et ainsi prévenir les actes de corruption et de délinquance financière. Deuxièmement, nous avons des actions à caractère coercitif. Également, à la fin de chaque mission de vérification, nous relevons ce qu'on appelle des irrégularités financières. Et ces irrégularités financières font l'objet de dénonciations à la justice. D'une part, nous dénonçons les faits susceptibles de constituer les infractions à la législation pénale aux différents procureurs chargés des pôles économiques et financiers de Bamako, de Mopti et de Kaye. Et d'autre part, les mêmes faits sont transmis à la section des comptes de la Cour suprême en ce qui concerne les faits susceptibles de constituer les infractions à la législation budgétaire et financière. Donc c'est ce que je disais à l'entame de mes propos. Sur la base de ces faits que nous dénonçons, eh bien, les pôles économiques et la section des comptes de la Cour suprême peuvent engager des poursuites contre les agents qui sont incriminés dans nos différents rapports de vérification. Et en ce qui concerne le troisième type d'action, qui est l'action dissuasive, il faut signaler que à partir du mois d'août 2019 jusqu'à maintenant, l'actuel vérificateur général a pris la décision de publier sur son site internet l'ensemble des rapports individuels de vérification. Parce qu'avant, c'était seulement le rapport annuel qui était publié sur le site du BVG. Mais désormais, à chaque fois qu'une mission de vérification prend fin, systématiquement, le rapport est publié sur le site internet du BVG et le même rapport fait l'objet de dénonciations à la justice. Donc, nous avons bon espoir qu'à travers cette publication des rapports sur le site internet du BVG, les agents publics seront dissuadés de s'adonner à des actes de corruption parce que c'est leur image qui se trouve en jeu. Les citoyens sont à même de découvrir dans les rapports de vérification les faits qui leur sont reprochés. Le Conseil national de la société civile vient de nous rejoindre. Hamidou Traoré vient de rentrer dans le studio. Et nous continuons avec le cours normal de cette émission. Monsieur Diakaridia Bagayogo du pôle économique et financier, quel est votre rôle dans la lutte contre la corruption? Merci madame pour cette question intéressante. Et comme mon co-débatteur Koulibaly du BVG vient de le dire,
les pôles économiques est les pôles économiques, je dois dire, parce que je dois dire que sous la transition, il y a une réforme qui a été opérée, une réforme du code de procédure pénale qui a vu la fusion des trois pôles économiques et financiers. Les pôles économiques et financiers de Bamako, celui de Kayo et enfin celui de Mopti. C'est vrai que pour le moment, le pôle national financier n'est pas, on va dire, fonctionnel, opérationnel, mais je suis sûr que ça le sera pour, ça le sera dans un bref délai. Et donc, les pôles économiques sont aux destinataires de ces rapports dont M. Koulibaly vient de parler tantôt, notamment. Lesquels rapports émanent du BVG, de l'OCLEI ou encore de la CENTIF ou d'autres structures comme évidemment la CASCA. Voilà. Donc, nous avons, à la différence du BVG par exemple, qui a, comme il vient de le dire, plusieurs missions, nous avons une mission véritablement répressive. Nous poursuivons les infractions, évidemment, en matière économique et financière, parce que les pôles ont à leur tête un parquet, un procureur de la République, qui est évidemment entouré des cabinets d'instruction, des juges d'instruction spécialisés, et qui également ont pour rôle d'investiguer. Le procureur de la République, lui, il poursuit. Et devant les juridictions, ils leur demandent l'application, la saine application des lois. Mais ces collaborateurs qui sont les juges d'instruction, évidemment, eux ont pour mission d'investiguer, c'est-à-dire de continuer les enquêtes. Enquêtes commencées par la brigade économique et financière qui est animée par des officiers et agents de police judiciaire. C'est-à-dire que quand nous recevons dans la pratique ces rapports-là, puisque le BVG, l'OCLEI ou encore les autres services de contrôle n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, nous, quand nous recevons ces rapports, nous saisissons notre brigade économique et financière qui, évidemment, fait ce qu'on appelle, mène ce qu'on appelle l'enquête préliminaire. Et à l'issue de ces travaux, la brigade économique et financière nous transmet un procès verbal d'enquête préliminaire. Et évidemment, c'est en fonction de la nature des faits qu'on donne l'orientation nécessaire à cette procédure-là. S'il s'agit des faits correctionnels, c'est-à-dire un exemple, s'il s'agit d'atteinte au bien public par exemple, et que le montant en cause ne dépasse pas les 10 millions, alors ça veut dire que, et que la lumière, toute la lumière est faite sur l'affaire, ça veut dire que l'affaire est en état d'être jugé. Et donc, nous saisissons directement le tribunal correctionnel pour que le jugement puisse avoir lieu. Mais s'il s'agit des crimes, toujours avec les mêmes exemples, lorsque le montant dépasse 10 millions, là, en matière d'atteinte au bien public, on est dans la fourchette criminelle, alors là, la saisine d'un juge d'instruction devient évidemment obligatoire. Et donc, les juges d'instruction saisis dans ces conditions-là continuent les investigations entamées par la brigade économique et financière. Donc, le pôle est au cœur véritablement de la lutte contre la corruption et les autres formes de délinquance économique et financière, en ce qu'il est destinataire des rapports des services de contrôle, dont évidemment les BVG. Et également, il joue ce rôle-là d'animation de la procédure pénale même, notamment au niveau des cabinets d'instruction et également devant la juridiction de jugement. Autrement dit, le pôle économique, son travail commence après les rapports fournis par des structures de contrôle comme le bureau du vérificateur général ou encore la CASCA, c'est cela? Tout à fait. C'est quand au cours de leurs investigations, ils découvrent des choses qui nous dénonce ces infractions-là. Parce que l'infraction, c'est un comportement incriminé par la loi pénale.
Et donc, lorsque eux, ils découvrent, ils ne découvrent pas que des infractions, ils peuvent découvrir d'autres irrégularités, mais les infractions, elles, ils nous les dénoncent au pôle économique. Et une fois que nous, on est donc saisi de ces rapports-là, nous ordonnons à notre brigade économique et financière l'ouverture d'une enquête. Et c'est un peu comme ça que la chose marche. Mais je voudrais quand même dire qu'il peut arriver que nous aussi, évidemment, dans notre mission de répression, on éprouve le désir, évidemment, d'une collaboration avec ces services de contrôle-là. Et notamment lorsque, dans notre mission, on découvre que le volume des avoirs d'un, on va dire, d'un prévenu est douteux, on peut saisir l'OCLEI, par exemple, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, au fin d'investiguer sur le patrimoine de l'intéressé. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons être amenés. Vous n'attendez seulement pas les rapports, vous pouvez être amenés. Non, nos rapports vont au-delà, puisqu'on peut être amené à solliciter leur concours pour nous éclairer sur certains aspects donnés, évidemment, dans la vie de la procédure. Hamidou Traoré du Conseil national de la société civile, merci d'être parmi nous. Quel est le rôle du Conseil national de la société civile dans la lutte contre la corruption? Merci bien, Mariam. Et encore, je m'excuse compte tenu de l'embouteillage. Et bonsoir à mes co-débatteurs. Et je crois que c'est l'heureuse occasion que Tamani nous donne encore une fois de plus d'être sur la même table que le pôle économique auquel nous créons la société civile. Et, mais grâce à ce programme, aujourd'hui, la collaboration est devenue correcte, sincère, et qui fait que nous, acteurs de la société civile, on n'a plus peur de dénoncer, de faire notre travail de contrôle citoyen. Et madame, pour répondre à ta question, le Conseil national de la société civile a mis ce qu'on appelle des outils. Les outils de contrôle appelés ce qu'on appelle les comités de veille citoyen. Et ces comités de veille citoyen font ce qu'on appelle la dénonciation, ils font ce qu'on appelle le contrôle dans toutes les collectivités où nous y existons. Et grâce à ce programme avec Coateur, un lien de collaboration franche a pu être avec le pôle économique et le bureau du vérificateur, qui aujourd'hui, bien avant peut-être ce programme, il y a un protocole d'accord entre la société civile et le bureau du vérificateur où nous faisons ce qu'on appelle la vulgarisation des rapports et tous les jours. Maintenant, ces rapports, c'était, comme on l'a dit, M. Kobater, c'était des rapports annuels. Maintenant, c'est devenu des rapports sectoriels. Et maintenant, même présentement, tous nos acteurs sont sur le terrain en train de faire ce qu'on appelle la vulgarisation de ces rapports. Donc, notre rôle, c'est le contrôle citoyen, c'est de dénoncer alors les actes de malversation et la fraude à longueur de journée. Modibo Mao Makalou, vous participez à cette émission par téléphone. Vous venez d'entendre le rôle de chacune de ces structures dans la lutte contre la corruption, le Conseil national de la société civile, le pôle économique et financier, le bureau du vérificateur général. Quelle analyse faites-vous de ces différentes structures? Mais écoutez, madame, ce ne sont pas ces structures seulement. Il y a un ensemble de services qui contribuent au contrôle des, ou en tout cas à la bonne gestion des finances publiques. Vous avez les inspections des finances, vous avez les inspections ministérielles, vous avez ce qu'on appelait le contrôle d'État. Et donc, en plus de ces structures, vous avez un certain nombre de services, comme je dis. Mais l'idée, c'est de contribuer à la bonne gestion des finances publiques. Parce que vous savez, il s'agit essentiellement de voir comment, en réalité, on met en œuvre les politiques publiques en matière de finances publiques, c'est-à-dire les recettes de l'État, les dépenses de l'État et la dette publique. Parce que c'est à travers ces ressources-là que, généralement, on arrive à, en tout cas, s'enrichir ou à corrompre, en tout cas, essentiellement. Mais ce que je puis dire aussi, c'est que en réalité, il s'agit de voir comment assurer une redevabilité, la transparence et la confiance par une utilisation effective des ressources. Parce que vous savez, nous avons ce qu'on appelle l'économique, qui fait que nous avons des besoins illimités et des ressources limitées. Si vous prenez notre budget d'État
pour l'année 2021 et pour l'année 2022, c'est caractérisé par ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Ça veut dire que nous dépensons plus, nos dépenses budgétaires sont supérieures à nos recettes budgétaires. Pour l'année 2021, ce déficit budgétaire avoisinait les 653 milliards de francs CFA. Et pour l'année prochaine, je pense que, si je ne m'abuse, que c'est environ un peu plus de 600 milliards, 617 milliards environ. Donc ce sont des ressources supplémentaires que notre État doit aller chercher pour financer ces politiques publiques. Donc quand il y a de corruption, moins les finances publiques sont bien gérées. Donc en réalité, à travers cela, il s'agit de voir un peu comment les autorités peuvent faire. D'abord, il va falloir peut-être qu'on définisse un peu globalement la corruption, qui consiste non seulement à ce qu'on appelle des pots de vin ou plus communément des bakchiches, mais il y a aussi des dessous de table, il y a le détournement des fonds publics, il y a le trafic d'influence, il y a la concussion, il y a la dissimulation et le blanchiment des fruits de la corruption. Et aussi, il y a l'enrichissement illicite, comme quelqu'un vient de le dire tout de suite, qui est le fait que votre patrimoine est grossi et ça ne peut être justifié par les ressources que vous avez. Donc malheureusement, au Mali, nous avons cette difficulté, je l'ai souvent cité, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont assujetties à déclarer leurs biens, plus de 7000 personnes. Malheureusement, madame, vous allez constater qu'en 2018, 2019 et 2020, si vous cumulez les personnes qui ont été assujetties à déclarer leurs biens, elles font environ 1 220 personnes, alors que nous devrions être environ 7 500 personnes chaque année. Parce qu'il y a des gens, quand la loi originale a été élaborée, il y a des gens qui se sont soustraits de cela, des gens qui sont au-dessus de la loi, comme des législateurs, comme d'autres personnes en uniforme, etc. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Personne ne devrait être au-dessus de la loi, personne ne devrait être en dessous de la loi. Monsieur Drissa Mamadou Koulibaly, qu'est dit le dernier rapport du Bureau du vérificateur général? Alors, le dernier rapport du Bureau du vérificateur général, il a à peu près le même contenu que les précédents rapports. Nous avons mené des missions, différents types de missions de vérification, comme à l'accoutumée, des missions de vérification financière ou de conformité, dans lesquelles on regarde si l'entité vérifiée respecte les procédures édictées par les normes, les textes, la réglementation en vigueur. Vous savez que le fonctionnement des services publics est fixé par des textes, les lois, les décrets, les arrêtés, les instructions. Alors, au cours de ces différentes missions de vérification financière, nous vérifions si l'entité contrôlée dans son fonctionnement quotidien respecte la réglementation en vigueur. Et nous avons également des missions de vérification de performance. Cette fois-ci, nous ne regardons pas si le fonctionnement de l'entité est conforme aux règles de droit, mais nous vérifions si l'entité a atteint ses objectifs à travers notamment l'application d'un certain nombre de critères, l'économie, l'efficience et l'efficacité. Nous avons également un troisième type de mission qu'on appelle les missions de suivi des recommandations, qui consiste à répartir dans une structure qui avait fait précédemment faire l'objet de vérification, parce que je disais à l'entame de mes propos que à la fin de chaque mission de vérification, nous adressons des recommandations à l'entité qui pourront lui permettre de corriger les dysfonctionnements constatés. Alors, quelques années plus tard, 2 ou 3 ans après, nous repassons dans la même structure pour s'assurer que les recommandations que nous lui avions adressées précédemment, que ces recommandations ont été effectivement mises en œuvre. Et peut-être ce qui est une première, c'est le quatrième type de mission que nous faisons, c'est l'évaluation des politiques publiques. Contrairement au rapport précédent, pour la première fois, le vérificateur général a mené une mission d'évaluation des politiques publiques sur la politique nationale de santé, qui est le PRODES. Alors, en gros, ce sont ce qu'on appelle ces quatre types de missions que nous retrouvons dans le dernier rapport annuel du Bureau du vérificateur général. Et qui est qui intervient dans la rédaction du rapport? Merci. En fait, la rédaction du rapport fait intervenir beaucoup d'agents, dont certains sont visibles et d'autres ne le sont pas. Alors, ceux qui sont visibles, c'est bien entendu l'équipe de vérification qui a mené la mission.
Mais derrière l'équipe de vérification, il y a toute une panoplie de personnel qui n'est malheureusement pas visible. L'équipe de vérification est présente sur le terrain. Il y a un vérificateur, il y a un chef de mission et peut-être deux ou plusieurs vérificateurs assistants. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle des instances de validation à l'interne. Parce que je tiens à rappeler que les différentes missions de vérification que le bureau de vérificateur mène sont effectuées conformément aux normes internationales d'audit. Et en la matière, nos rapports respectent toutes les normes édictées par l'INTOSAI. Voilà, pour les spécialistes de l'audit, ils savent de quoi il s'agit. Ce sont les normes ISAI. Alors, conformément à ces normes de vérification, lorsque l'équipe de vérification élabore son rapport, il y a des instances de validation. D'abord, à l'interne, lorsque l'équipe finit de faire le rapport, il y a ce qu'on appelle un comité de lecture qui comprend le personnel à l'interne, qui lit le rapport pour vérifier, pour s'assurer que le contenu du rapport respecte les normes d'audit. Ensuite, lorsque ce comité valide le rapport est également partagé avec l'entité. Et je tiens à insister sur cet aspect parce que l'article 13 de la loi qui crée le vérificateur général fait obligation au vérificateur général de respecter ce qu'on appelle le contradictoire. Le contradictoire n'est rien d'autre que le respect des droits à la défense. Avant d'accuser une entité dans un rapport, on est obligé de faire parvenir à la dite entité ce que nous pensons comme irrégularité. Et nous lui donnons un temps imparti, généralement c'est un mois, pour que l'entité réagisse à nos observations. C'est après avoir analysé les réponses de l'entité que nous décidons soit d'abandonner la constatation si les réponses fournies par l'entité sont pertinentes, soit de la maintenir si nous jugeons que la réponse apportée par l'entité n'est pas pertinente. Donc c'est après tout ça que le rapport définitif est élaboré. Et l'élaboration également du rapport définitif fait intervenir plusieurs services, notamment le département de la communication qui assure la mise en forme définitive. Monsieur Bagayogo, les poursuites judiciaires donnent-elles des résultats aujourd'hui? Merci madame pour cette autre question pertinente. Mais avant, je voudrais donner des apaisements à mon voisin de la droite. Le pôle économique et financier n'a pas pour vocation d'effrayer les citoyens, surtout la société civile. Vous êtes des partenaires privilégiés et c'est l'occasion pour nous du pôle de remercier Quater qui, véritablement, à travers ce genre d'activités, donne l'occasion à la justice d'aller au contact, à la rencontre des autres. Et ça permet de dissiper, évidemment, des préjugés, des malentendus, parce que la justice, il faut le dire, on ne communique pas assez, puisque la communication judiciaire est quelque chose de très, très délicat. Pour en venir à votre question, notamment si les poursuites judiciaires donnent des résultats aujourd'hui, je puis vous dire, madame, qu'aujourd'hui, certes, la lutte contre la corruption et les autres formes de délinquance économique et financière continuent à enregistrer des difficultés, mais il est évident quand même que, à la date d'aujourd'hui, de plus en plus, le sentiment d'impunité se dissipe dans notre pays. Autrement dit, aujourd'hui, il est évident que l'on soit en République du Mali, on est convaincu aujourd'hui qu'en posant certains actes, en s'illustrant par certains comportements, on peut être inquiété. Et donc, je pense que, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est à saluer de la part de l'institution judiciaire. Et également, c'est l'occasion peut-être pour nous de le dire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, certes, la vocation première des pôles économiques et financiers, c'est de réprimer les infractions en matière économique et financière. Mais, parallèlement, il y a quand même des recouvrements de fonds qui se font. Les délinquants économiques et financiers, au cours des procédures judiciaires, le plus souvent, versent des cautions. Lesquelles cautions, évidemment, au bout de la procédure, notamment à l'occasion de du jugement de l'affaire, si la culpabilité donc, de la personne mise en cause est établie, ces cautions-là sont confisquées.
je conviens avec vous qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés dans véritablement l'essence de l'exécution des décisions de justice. Quand on prend une procédure dans laquelle il n'y a pas eu de caution versée en cours de procédure, évidemment, et que la dite procédure se solde par une condamnation, et évidemment, ça dit que nous avons des difficultés aujourd'hui pour véritablement assurer l'exécution de ces décisions-là. Certainement que le département de la justice va se saisir de cette question dans les jours à venir pour accompagner les parquets qui souvent ont la volonté d'aller à ça, mais qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Et voilà. Donc, la justice aujourd'hui produit des résultats, de mon point de vue, sur ce plan-là, même si ces résultats-là peuvent être améliorés. Est-ce qu'il arrive qu'en cas de procédure judiciaire, qu'un délinquant financier, comme vous venez de le dire, puisse restituer son argent et que ça met, disons, un terme à la procédure judiciaire? Merci pour cette question. En fait, la médiation pénale, puisque ce que vous dites en droit processuel pénal, on l'appelle la médiation pénale, les infractions économiques et financières n'entrent pas dans le champ, évidemment, des matières qui peuvent faire l'objet d'une médiation pénale. Ceci traduit, évidemment, une certaine volonté de sévir avec rigueur contre ces phénomènes-là. Mais certes, on ne peut pas, évidemment, nous, du côté de la justice, proposer cela, mais dans la pratique, il arrive que des délinquants économiques et financiers, comme vous le dites, et donc pour nous, des personnes mises en cause dans des procédures judiciaires, d'elles-mêmes, évidemment, procèdent à des paiements. Cela arrive et lorsque c'est le cas, évidemment, c'est des fonds qui sont versés au trésor public. Mais est-ce que quand ça s'est fait, ça met un terme? La procédure judiciaire s'arrête? Évidemment, évidemment. D'autant que la loi ne permet pas la médiation pénale en cette matière-là, les paiements n'éteignent pas. Parce que l'infraction, évidemment, donne naissance à deux actions. L'action civile, qui, elle, vise la réparation du préjudice causé par l'infraction, et l'action publique qui vise la répression du comportement anormal. Et donc, à supposer qu'un délinquant économique et financier en cours de procédure paye tout l'argent qu'il doit à la société, à l'État. Et ces paiements n'éteignent pas les poursuites parce que, évidemment, l'essor de l'action publique n'est pas lié à celui, évidemment, de l'action civile. Donc, pour répondre à votre question, ces paiements-là ne peuvent pas, évidemment, mettre fin aux poursuites. Je rappelle à ceux qui nous suivent que cette émission est réalisée en partenariat avec Coauteur International. Hamidou Traoré, du Conseil national de la société civile, quel regard avez-vous sur les procédures judiciaires? Bon, madame, je crois que c'est grâce à la collaboration maintenant avec ces trois structures que nous sommes rentrés dans la joue de la danse. Et monsieur du bureau du vérificateur l'a dit, aujourd'hui nous on est en mesure de savoir qu'est-ce que c'est qu'un rapport de une vérification de performance, des recommandations. Bon, aujourd'hui nous sommes vraiment outillés par rapport à ce programme. Et sinon, comme tu l'as dit simplement, nous attendons beaucoup, la société civile, nous attendons beaucoup de la justice. Et la question qu'on se pose ou qu'on nous pose à longueur de journée, après ces tant de millions détournés, où est-ce qu'on en est? Souvent, on nous pose cette question. Est-ce que l'argent détourné est reversé? Et encore souvent, on le dit simplement. Même hier, on était dans une commune de Bamako, après avoir fait les trois synopsis, c'est-à-dire le rapport de vérification de performance, il y a les trois. Il y a un des citoyens qui a posé la question, mais qu'en est-il par rapport à ceux qui ont été poursuivis et qui ont été relâchés? Est-ce que réellement la lutte contre la corruption, la société civile, vous êtes en train de faire votre rôle? Bon, nous on ne change rien du rapport du vérificateur. On vulgarise ce qui a été dit dans le contenu. Et de ce fait, simplement, souvent, on a d'énormes interrogations du citoyen qui nous dit simplement où est-ce qu'on va. Parce que les gens supposent simplement souvent qu'on craint la justice,
Mais on suppose souvent que la justice ne fait pas réellement son travail. Et nous, nous attendons encore beaucoup mieux d'eux. Mais nous sommes en train de voir au fur et à mesure, ces quelques années de co-auteur nous ont permis réellement de voir simplement que vraiment aujourd'hui, avec ces temps d'outils, et ça commence à aller. Et parce que ce que nous nous faisons c'est dans nos communes, c'est de forcer même les maires à faire ce qu'on appelle des actions de redevabilité, à rendre compte. Et aujourd'hui, ces actions n'existaient pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir simplement... Bon, on ne peut pas alors peut-être interrompre la corruption d'un coup, mais nous sommes en train de forcer vraiment à faire le mieux. Mouribou Mou Makalou, quel regard avez-vous sur la lutte contre la corruption? Est-ce que ça donne suffisamment de résultats selon vous? Ben écoutez, vous savez, au Mali, quand même, nous avons eu deux importantes rencontres ici. Entre du 25 au 28 novembre 2008, il y a eu les états généraux de la corruption et de la délinquance financière, avec un plan national d'action 2009-2013. De même qu'il y a eu 104 recommandations, 89 objectifs spécifiques, etc. De même, du 23 au 24 janvier 2014, nous avons eu le Forum national sur la corruption et la délinquance financière, encore avec un plan d'action 2014-2018. Où est-ce que nous en sommes avec ces résolutions, ces recommandations, ces plans d'action? Est-ce que l'État est une continuité? Bon, ça c'est une question qu'on devrait se poser. Par rapport à ce que vous venez de poser, il va falloir quand même clarifier que la corruption n'est pas un phénomène d'un pays, ni d'un continent. C'est un phénomène mondial. Même les nations les plus industrialisées, les plus riches et les moins corrompues, on connaît la corruption là-bas. Mais la différence avec nos États où les ressources sont maigres, c'est que la corruption devient très nuisible dans un pays où les revenus sont faibles, car elle fait obstacle non seulement à la croissance économique, mais aussi au développement économique. Et de plus, au niveau de la gouvernance, elle entame la confiance du citoyen dans la légitimité et la transparence des institutions. Elle entrave aussi l'adoption des lois justes et efficaces, de même que l'exécution des lois et l'action des tribunaux. Mais ce sur quoi je voudrais insister surtout, c'est l'état de droit. L'effet de la corruption sur l'état de droit, c'est-à-dire que l'état de droit est une condition essentielle de la prévention et de la répression de la corruption. Si nous n'avons pas une justice saine, ça ne sert à rien de combattre la corruption et la délinquance financière. Il nous reste qu'à peu près 7 minutes avant de clore cette émission, le temps de faire un dernier tour de table. Je commence par le bureau du vérificateur général. Quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face dans le cadre de votre travail au quotidien? Merci. Mais juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste, en termes de rappel, insister encore sur la nécessaire synergie d'action qui doit exister entre ces différentes structures de contrôle. Et à titre d'exemple, je rappelle que nos rapports avec le pôle économique et le Conseil national de la société civile sont de très bons rapports de complémentarité. À titre d'exemple, de 2018 à maintenant, le bureau du vérificateur général a reçu 125 saisines, dont la plupart provient des organisations de la société civile. C'est parce que la loi sur le vérificateur général permet à de simples citoyens ou à des associations ou à des organisations de saisir le vérificateur général pour dénoncer des actes de corruption. Et également, à titre d'exemple, comme vous avez évoqué le rapport annuel 2020, au titre de la seule année 2020, nous avons reçu 50 saisines provenant des citoyens, des organisations de la société civile et même des pouvoirs publics. Et après analyse des 50 saisines, 13 ont donné naissance à des missions de vérification financière ordonnées par le vérificateur général. Toujours en termes de synergie, peut-être la section des comptes de la Cour suprême n'est pas là, mais également cette section des comptes, comme M. Diakardia l'a dit, à chaque fois qu'on dénonce un rapport au pôle économique, on saisit également la section des comptes de la Cour suprême pour que cette section puisse également infliger des sanctions aux agents publics qui sont incriminés à travers la Chambre de discipline budgétaire et financière. Alors maintenant, en termes de contraintes, pour moi, l'une des contraintes majeures auxquelles le bureau du vérificateur général fait face, c'est l'incompréhension, notamment des citoyens. Parce que je suis désolé de le dire, mais beaucoup de citoyens maliens n'ont pas encore appréhendé les missions et le rôle du bureau du vérificateur général. Nonobstant le fait que ce bureau-là existe depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je vous donne un exemple.
beaucoup de Maliens, et notamment des intellectuels, pensent que le bureau du vérificateur général a des compétences juridictionnelles ou judiciaires. C'est une autorité administrative indépendante. Nous ne pouvons faire que des rapports de vérification. Et au cours de l'exposé, il est clairement ressorti qu'une fois que le rapport de vérification est élaboré, la mission du bureau s'arrête. C'est la justice qui prend le relais parce que le bureau n'est pas un organe judiciaire. Et un autre exemple, pas plus tard que l'autre jour, un de mes amis intellectuels me disait « Mais j'ai lu votre rapport annuel 2020, j'ai été surpris de voir que vous avez transmis des dossiers au procureur. » Je dis « Oui, c'est normal. » Parce que beaucoup de Maliens comme lui pensent que le vérificateur général doit d'abord remettre le rapport annuel au président de la République et que le président met le rapport dans le tiroir. Donc l'une des contraintes majeures aujourd'hui est le fait que le citoyen malien n'a pas encore réellement appréhendé les rôles et les missions du vérificateur général. Monsieur Traoré de la société civile, aujourd'hui, comment renforcer les actions de lutte contre la corruption? Bon, le renforcement des actions passe par l'implication de toute la société civile. Il a dit simplement, depuis que cette collaboration a commencé, nous, on n'a plus peur de faire des saisines. Et partout, nous avons, et à longueur de journée, ça. Mais l'essentiel, alors il a dit simplement, le numéro vert nous permet de faire ces saisines sans dire notre identité, il ne l'a pas dit simplement. Et à longueur de journée, on le fait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous craignons un tout petit peu, c'est que la justice joue son rôle. Tout notre problème tourne autour de la justice. Aujourd'hui, nous félicitons et nous remercions très généralement aujourd'hui le bureau du vérificateur, surtout avec les rapports sectoriels qu'il publie chaque 3 mois. Et ça nous permet d'aller rencontrer les citoyens pour leur dire ce qu'ils aiment. Mais nous attendons encore et encore de la justice. Modibo Mao Makalu, comment renforcer aujourd'hui les actions de lutte contre la corruption? Il s'agit de faire en sorte, essayons de cultiver davantage la culture de la redevabilité, de la transparence et de la confiance, la réédition des comptes. Il va falloir que ceux à qui nous confions nos maigres ressources publiques puissent rendre compte de l'utilisation de ces ressources publiques, qu'il y ait des contrôles réguliers, des contrôles non seulement financiers, mais aussi des contrôles de performance, parce que nous devons nous donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations. Et pour cela, si nous laissons la corruption subsister, c'est un fléau qui va non seulement réduire les ressources publiques, mais va quand même substantiellement réduire l'accès aux services essentiels de base, de même que décourager les investisseurs. Tout cela va avoir un impact négatif sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc vraiment, c'est un fléau que nous devons combattre de toutes nos forces, mais surtout nous devons faire en sorte que nous encourageons les agents qui s'adonnent à ce travail quand même assez délicat et faire en sorte que ceux qui vivent, ceux qui contrôlent vos ressources publiques puissent vivre de leur profession. Monsieur Bagayogo, dans le cadre des poursuites judiciaires, quelles sont les différentes leçons apprises? Merci madame. Avant de répondre à cette question, je voudrais toujours rassurer la société civile puisque la justice... Il nous reste moins d'une minute. Ok, la justice est à l'écoute et la justice doit être en fait repensée dans ce pays. Parce qu'il faut que les gens sachent que la justice est un service régalien de l'État. Et qu'elle a besoin des moyens, cette justice-là. Et moyens humains, moyens matériels et moyens financiers. Et tout cela nous manque. Et c'est ce qui fait que, évidemment, nous ne sommes pas en mesure de faire toujours face aux missions nombreuses qui sont les nôtres et qui, véritablement, aboutissent à cette incompréhension-là, dont nous sommes conscients. Mais qui, nous l'espérons, par les actions futures. Merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de cette émission. Téléspectateurs, auditeurs et ceux qui nous suivent sur Internet, merci de votre fidélité. C'est la fin de cette émission du Grand Dialogue dont le thème central était « Comment réussir la lutte
lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali. Grand merci à nos invités, Drissa Mamadou Koulibaly du bureau du vérificateur général, Djakaridia Bagayogo du pôle économique et financier, Hamidou Traoré du Conseil national de la société civile. Au téléphone, on avait Modibo Mao Makalou. À la régie son et vidéo, il y avait Salim Diouara et Adjaratou Traoré. Je suis Mariam Maïga. Merci et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani. Wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chien Nibiri. Halou Dumondi. Chien Nibiri. Sigi Kafoba.